Salut à tous, très heureux de vous accueillir ici à Manchester. Au commentaire, Hervé Matou. Vous m'avez reconnu ? Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe, Manchester City contre le Paris Saint-Germain. C'est dans ces phases de groupe que se dégagent déjà les favoris. Ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite se projeter sur le reste de la compétition. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Ederson dans les buts. Romain Dias va évoluer en défense aux côtés d'Aymeric Laporte. Kevin De Bruyne sera associé à Rodri au milieu. Et pour finir, un seul attaquant de pointe aujourd'hui. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. C'est une équipe dont on sait qu'elle aime asphyxier l'adversaire en venant la presser très haut. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Ça profite à Manchester City, l'arbitre fait signe de jouer. Ouais, dommage, la frappe qui a filé au-dessus. Marco Verratti. Verratti. Excellente intervention. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Ouais, la bonne parade. Attention, ce n'est pas terminé. Messi. Derrière, il continue d'avancer. Achraf Hakimi. Marco Verratti. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. Rodri. Ruben Dias. Pour Walker. Sergio Ramos qui vient disputer ce ballon. Wijnaldum. Mbappé. Verratti. Changement de possession. Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Kevin De Bruyne. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Attention à ce corner. Ouais, non, il n'est pas bien tiré ce corner.
Mbappé. Il file seul vers le but. Oh, le but! Kylian Mbappé qui ouvre le score. Ouais, il était quand même idéalement placé pour marquer. Ça aurait été étonnant qu'il rate ça à cette distance. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Avantage laissé à Man City. L'arbitre qui a sifflé, et on va revenir à la faute initiale. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Ouais, il donne le tourné au défenseur, il leur fait tout là. Allez, qui va reprendre ce ballon. Il est passé. Perdu. Cette contre-attaque qui n'a pas été bien menée. Gabriel Jesus. Oh, c'est une balle d'égalisation. Oh, le but! Le but signé Gabriel Jesus. Les images de la contre-attaque. Et ensuite, c'est le talent qui fait le reste. Et quand même son excellent placement. Et voilà donc à égalité un peu partout. Bernat. Il progresse vers le but. Ouais, c'est bien fait, il prend le dessus sur son adversaire. C'est parti dans la surface. Le centre capté sans aucun problème. Calme au cœur. Il Foden. Ouais, c'est donné par-dessus. La bonne passe dans l'espace. Oh non, c'est raté, mais pourquoi? Pourquoi jouer si vite? C'est un manque de sang-froid. Bernat. Mbappé. Pas bien joué de la part de Mbappé et qui rend le ballon à l'adversaire. Kylian Mbappé. Oh, mauvaise relance. Ah, c'est contré. Et ça finit tranquillement dans la niche. Ouais. Je pense que les supporters n'attendaient pas une équipe autant en difficulté pour se créer des occasions. Pour l'instant, elle n'arrive absolument pas à mettre la défense adverse en difficulté. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Verratti. Lionel Messi. Idrissa Gueye. Messi qui est le danger numéro 1. Qui... Oh, ça peut tout changer s'il marque. Ouais, le but de Léo Messi.
Là, on voit ce ralenti. Cette intervention plutôt ratée, on va dire, du gardien. Et l'attaquant qui a suivi pour la mettre au fond. Manchester City est mené. Lionel Messi. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Kevin De Bruyne. Phil Foden. La passe aérienne, pas mal. Voilà, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Voilà, c'est un adversaire qui récupère cette passe. On revoit le but qui leur permet de mener au score. La fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période pour l'instant, je trouve. Ouais, une bonne première mi-temps. Il donne l'avantage à son équipe avec ce but tardif. Et je pense qu'il va jouer un rôle important dans ce match. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Wijnaldum. Messi. Mbappé. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Aymeric Laporte. Sylvain. Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Un long ballon, loin devant. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Idriss Agueil. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, le tir. Oh, l'occasion. Quelle occasion. Oh, ça aurait été un but capital. Parce qu'avec deux buts d'avance, c'est clair que il y aurait eu un bon matelas. On va assister à un changement dans cette équipe. Ballon est perdu par Manchester City. Messi. Ouais, corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Attention, ce corner de Neymar. On s'était replacé en défense. Wijnaldum.
Ce sera sans difficulté pour Ederson. De Bruyne. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Kai Walker, il file seul vers le but. Ah, magnifique, hein, le duel bien négocié dans les buts. Bien joué. Et le public qui se fait entendre. Eh, c'est vrai que ce corner, c'est une bonne légalisation. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Le corner, le ballon en pleine surface. Ouais, une volée dont la trajectoire intéressera certainement ceux qui s'intéressent aux étoiles. La passe est interceptée. Herrera. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance, hein. Boum. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Ouais, la bonne intervention du gardien qui repousse. Attention à ce corner qui donne à cette équipe l'occasion de porter son avance à deux buts. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Ah, la belle précision de Neymar sur ce corner. Léo Messi. Ah, il joue encore avec Verratti. Oh, l'arrêt d'Ederson. Oh, mais comment il a sorti ce ballon? Ah, le corner qui est joué court. Le centre en retrait. Et ça s'est un petit peu refait. Léo Messi. Oh, la parade d'Ederson. Il combine avec un coéquipier sur ce corner. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Pour 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Oh, le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. De Bruyne. Ouais, il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Il n'a pas cherché vraiment le temps de pénalty hein, sur ce corner. Passé à l'intérieur. Allez, le ballon qui est dégagé. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, ils peuvent égaliser là. Quelle occasion manquée. Ah, c'est bête, hein, ça aurait complètement relancé ce match. Marquinhos avec Verratti. Lionel Messi. Lionel Messi.
Attention, ça peut devenir intéressant. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Vous avez compris, il y a les supporters que pour revenir, pour égaliser dans cette rencontre, il va falloir se presser un petit peu. Bon, il a réussi à passer. La volée. Oh oui, le but. Le but dans les derniers instants. Incroyable. On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Donc là, cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Julian Draxler. Là, ce sera un bon moment pour prendre l'avantage côté parisien. Pour Cancelo. Sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Sterling. Mauvais dégagement là, attention. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Messi. Et Messi. Ouais, très bonne intervention défensive. Oh, c'est bien donné ça. Passe en profondeur. Voilà, la nouvelle occasion. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Il va y avoir 4 minutes de temps additionnel en plus. Draxler. Lionel Messi. Ouais, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Il va y avoir un remplacement. Allez, ça part devant, le match qui est peut-être en train de se jouer. Et pour qui ce centre? Ah, c'est bien défendu. Messi. Mbappé en bonne position. Et l'intervention décisive dans les buts. Intervention qui vient certainement éviter la défaite. De temps ce corner. Il va ramener le jeu dans l'axe. Voilà, ça revient vers Messi. Tous les Parisiens qui ont envie de monter sur ce corner, c'est un moment très important du match. Le corner en direction du point de pénalty. Oh oui, il marque! La délivrance peut-être pour cette équipe dans ce match. On voit le but. Tout est parti de ce corner et la bonne impulsion pour propulser ce ballon dans le but de la tête. Cette fois c'est terminé. C'est un résultat fâcheux pour les Citizens.
Pas de points ce soir lors de cette première journée du UEFA Ligue des Champions. Il va falloir rattraper ça rapidement s'ils veulent aspirer à quelque chose. Alors rien de catastrophique encore, hein, c'est sûr. L'équipe peut se racheter au deuxième match, mais c'est clair que j'imagine qu'elle espérait un meilleur départ dans la compétition. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui. Il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple ? Il a signé une très grosse performance. Hein. C'est lui qui permet à son équipe de s'imposer en fin de rencontre. Il a été là quand il le fallait.